Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit retour sur les derniers achats que j'ai effectués. Ça fait un moment que j'ai pas fait de haul action d'ailleurs. J'ai trouvé des petites choses sympas, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer 2-3 choses que j'ai trouvé de sympa aussi sur Shein. Et bien évidemment comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre d'informations ainsi que mon code promo. Donc on va commencer avec la première chose que j'ai trouvé, c'est un réservoir voilà, avec son éponge pour le liquide vaisselle. Je vais vous montrer sur la boîte comment c'est. J'ai trouvé ça hyper pratique. Il suffit juste en fait d'appuyer avec l'éponge pour que le liquide vaisselle remonte. Voilà. Hyper simple, il est comme ça et avec son éponge. Et vraiment il est très gros. D'ailleurs ça m'a surpris, donc en fait il suffit juste d'appuyer comme ça. Quand on a les mains pleines, vous savez, on doit lâcher pour appuyer sur le petit récipient là avec le liquide vaisselle. Ben là c'est simple, on aura juste à faire ça. J'ai trouvé ça trop bien. Ensuite j'ai pris un petit pose cuillère, je vais appeler ça comme ça. Vous savez quand on est en train de cuisiner et qu'on cherche toujours ou poser la spatule avec laquelle on cuisine, mais aussi vous pouvez poser les petits je vais vous montrer comme ça, peut-être vous allez mieux voir les petits couvercles, vous savez avec quoi vous recouvrez les casseroles, les poêles, etc. Donc j'ai trouvé ça hyper pratique pour pouvoir poser les deux, que ce soit la cuillère ou le couvercle, parce qu'à chaque fois on le pose sur les côtés, soit il y a beaucoup d'eau, soit il y a de la sauce, on tâche le plan de travail, etc. Donc là j'ai trouvé hyper pratique, et comme il y a un rebord, si ça coule, bon c'est pas grave, on a juste à laver ça. J'ai pris 2 petites embrasses comme ça pour les rideaux de la chambre de bébé. Je les ai trouvées super jolies. Rose comme ça avec des petites perles. Ensuite, j'ai pris ce petit égouttoir de coin. Donc voilà, à poser juste sur le coin de l'évier quand vous faites votre vaisselle pour pouvoir sécher dessus. Il me semble qu'il existait aussi en carré. Ensuite, j'ai pris un embout comme ça. C'est pour mettre sur les mitigeurs, sur les robinets. Voilà, pour avoir, vous savez, pour les robinets qui n'ont pas le jet, etc. Donc ça, franchement, en plus, ça valait trop pas cher. Je l'ai pris pour mettre dessus. Comme ça, quand je veux laver, je vais bientôt changer de mitigeur et il n'a pas de jet comme ça. Ça va bien m'aider. Et pour finir, il me semble que c'est tout, ouais. Pour finir, j'ai pris pour ma salle de bain un petit kit comme ça pour mettre ici les 5 brosses à dents de toute la famille. C'est comme ça, hop, et ce qui est bien c'est que c'est sans perçage, et vous avez aussi pour le dentifrice, comme ça les enfants ont juste appuyé une dose comme ça, hop, et ça évite qu'ils me vident les dentifrices en 5 minutes en fait. J'ai l'impression qu'ils les mangent. Et pareil ici, c'est un adhésif en fait à coller, c'est pas je sais pas si je peux vous montrer comme ça, mais c'est pas pour percer, hein. Voilà, c'est un petit adhésif comme ça à coller. Donc franchement c'est sympa si vous voulez pas faire de trous au mur. Et c'est vendu par lot de 2. Enfin voilà. Enfin c'est vendu ensemble. J'ai trouvé ça super pratique. Donc voilà pour Shein. Ensuite on va enchaîner directement avec Action. Et j'ai mon ticket de caisse ici, donc je vais prendre comme ça vient. J'ai pris des nouvelles gourdes pour l'école. Voilà, des nouvelles gourdes licence. Elles étaient à 2,22 € la gourde. J'en ai pris 3 pour les enfants. Ensuite, j'ai pris des lingettes Swiffer. Voilà, parce que j'en avais plus. Pour mon balai Swiffer. Donc, c'est 3,92 € le paquet. Ensuite, j'ai pris ce truc-là qui sauve la vie. C'est en fait pour remplir les petites, vous savez, les petits récipients de bulles, là, pour faire les bulles. Parce qu'en fait, quand on met de l'eau et du savon, ça ne marche pas. Donc c'était toujours une galère et les enfants toujours déçus quand ils vidaient leur flacon. Donc franchement j'ai acheté ça et ça coûte 99 centimes. J'ai trouvé ça trop bien, il y a 1 litre dedans. Donc voilà, pourquoi pas, hein.
Vous aviez plusieurs couleurs, mais vous avez plusieurs couleurs, mais je ne sais pas si ça correspond à plusieurs, à quelque chose de différent. Ensuite, j'ai pris des petits sacs poubelles à la lavande. Je les aime bien ceux-là. Ils sont pas très chers. Il me semble qu'ils étaient à 1,69€. J'ai pris le lot de 3 petits contenants là pour les bulles. J'ai repris une branche d'automne comme ça. Voilà, en prévision de la déco d'automne, parce que malheureusement ils l'ont posée depuis un moment et je sais que si je ne la prenais pas maintenant, je la retrouverais plus. D'ailleurs, c'était la dernière, donc il m'en faudra une autre. Elle était à 2,69€. J'ai pris pareil un petit plateau comme ça en forme de feuille. Il était à 1,99€. Et vous aviez aussi les formes en forme champignon. Et c'est tout, il me semble, feuille et champignon. Voilà pour l'automne. Ensuite, j'ai repris aussi le produit comme ça, Swiffer, à 3,95€ parce que ma bouteille était vide. Donc voilà, j'en ai repris une avec les lingettes. J'ai pris des petites citrouilles comme ça à 1,99€, donc j'en ai pris deux, c'est les mêmes. À savoir qu'ils ont posé tout le rayon d'automne et rempli, rempli, rempli. Et vraiment, je pense qu'ils sont à deux doigts de poser les décos de Noël. Parce que j'y suis allée la dernière fois, ils étaient en train de pousser la déco d'automne pour faire de la place. Vraiment, ils sont trop, trop, trop à l'avance. Mais vous me direz, aux États-Unis, ils ont déjà tous posé la déco d'automne, donc pourquoi pas. J'ai pris des petits marqueurs comme ça pour les fournitures scolaires, certaines où je ne voudrais pas mettre les étiquettes avec leur prénom. Et ça coûtait 99 centimes. Voilà, ça fera bien l'affaire. J'ai pris deux paillassons. Donc, je ne les ai pas ici, mais je vous mettrai un petit close-up juste à côté avec le paillasson. Je les ai laissés dans la voiture, franchement, flemme. J'en ai pris deux, donc j'en ai pris un anti-saleté à 2,88€, tout noir, tout simple, vous savez, ceux de chez Action qu'on met sur le devant de la porte. Et j'en ai pris un, il était magnifique, c'était le dernier d'ailleurs. Il était à 4,49€ et c'est un paillasson léopard avec des motifs léopard. Il est trop trop beau, je vous le mettrai, c'est obligé. Donc 4,49€. Ensuite, j'ai pris des masques pour les yeux. Au concombre, c'est ce que je prends tout le temps et je les mets dans mon frigo pour qu'ils soient bien frais quand je les applique. D'ailleurs, je pense que je vais m'en faire un ce soir. J'ai l'oreille, pour tout vous dire, qui est complètement bouchée et en fait quand je parle déjà ça me fait mal à la tête, ça résonne dans ma tête. Quand je respire, ça résonne dans ma tête et dans mon oreille et c'est super désagréable. C'est un petit peu comme cette sensation de quand vous montez dans l'avion en fait, enfin quand l'avion décolle. Bref, c'est pas si grave, ça va passer. Ensuite, j'ai pris des dessous de verre à 3,99€ en marbre. Ils sont magnifiques. Ils sont juste ici. Je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer ça. Je ne les ai même pas ouverts moi-même. Il me semble qu'ils existaient aussi en... Ils sont hyper lourds. Ils existaient en gris. Donc moi, j'ai pris blanc. Hop, je vais vous montrer ça. Ils sont magnifiques, mais vraiment... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, donc par lot de 4. Franchement, pour le prix du marbre à 3,99€, quoi. Vraiment, ça me choque. Comme le plateau en marbre que je vous avais déjà montré. Et d'ailleurs, j'ai aussi pris ce petit... en fait, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Hein. De base, c'est vendu comme porte-brosse à dents pour la salle de bain. Mais en vrai de vrai, vous pouvez le mettre en porte-crayon... en ce que vous voulez, franchement, on porte pinceau pour le maquillage, voilà. En marbre, pareil. En plus, il brille un tout petit peu. Je sais pas si vous allez voir comme ça, pas trop. Mais voilà, tout aussi beau, qui va avec cette petite collection marbre. J'ai repris chez Action beaucoup de pochettes, comme ça, parce que je vous avais dit dans ma vidéo organisation de papier qu'il m'en manquait. Donc j'en ai repris des comme ça, avec des petits intercalaires. Voilà, hop. C'était 1,99€ tous de toute façon. J'ai pris rouge, j'ai pris vert et j'en ai pris des classiques pochettes cartonnées comme ça par lot de 4. Il me semble, ouais, par lot de 4 comme ça. Hyper simple, pareil, 1,99€. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs pour continuer à bien entretenir l'organisation que j'ai peiné à faire de mes papiers administratifs. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à me dire que ça vous a grave motivé et que vous étiez plusieurs à avoir négligé cette tâche, mais je vous rassure, on est toutes pareilles.
Bref, le principal, c'est de s'y mettre petit à petit, voilà, un petit peu chaque jour pour ne pas laisser s'accumuler, mais ne vous mettez pas la pression à devoir tout faire d'un coup. Et pour terminer, j'ai pris les fameuses citrouilles comme ça, lumineuses. Si j'arrive à attraper l'autre qui est sur le canapé. Voilà, vous aviez grise comme ça, pailletée, avec des petits filaments à l'intérieur, et dorée comme ça, pailletée. Et les deux étaient à 6, enfin les deux, l'unité était à 6,95. Donc franchement, j'ai trouvé que pour le prix, c'était raisonnable. Voilà, petite déco d'automne à venir. Bon, ça sera pas pour maintenant. Je vous dis la vérité, on fait ce qu'on peut. Hein. Déjà que je suis pas encore complètement sur pied. Donc on va pas trop en faire quand même. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ce petit haul action vous aura plu. Donc ce sera une petite vidéo, mais comme je vous ai dit, j'essaie de vous poster plusieurs vidéos pour voilà, cette semaine, qui soient plus courtes pour que ce soit plus facile pour moi à faire le montage. Je sais, je me répète, mais bon, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji cœur orange. Voilà. Pour celles qui seront restées jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir quand je vois ma YouTube family s'agrandir. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !